Votre Total Abs contient une ceinture abdominale, 5 électrodes à clipser sur la ceinture, une unité de commande, une ceinture de précision pour les bras et les jambes, le mode d'emploi, un guide d'entraînement, le sac de rangement et le guide nutritionnel. Première étape, l'installation. Insérez 3 piles triple A dans l'unité de commande et clipsez le boîtier sur la ceinture. Assurez-vous qu'il soit bien fixé. Ne retirez pas le film protecteur et fixez les électrodes sur la ceinture comme ceci. Deuxième étape, le placement. Retirez le film protecteur des électrodes que vous remettrez après chaque utilisation. Conservez-les dans un endroit propre et sec. Collez la ceinture sur vos abdominaux. Assurez-vous que toutes les électrodes soient en contact avec votre peau et ajustez-la avec le velcro. Si une des électrodes n'est pas en contact, la ceinture ne fonctionnera pas. Troisième étape, allumez l'appareil et sélectionnez un programme. Appuyez sur le bouton plus pour allumer la commande. Total Abs débutera le premier programme à une intensité de 0. Appuyez sur le bouton mode autant de fois que vous le souhaitez pour sélectionner les programmes de 1 à 9. Les diodes bleues vous indiquent le programme sélectionné. Le programme par défaut est le premier, massage. Le second, brûleur de graisse. Le troisième, musculation. Le quatrième, sculpter les muscles. Le cinquième, entraînement complet. Le sixième, drainage de la cellulite. Le septième, entraînement de la force. Le huitième, raffermissement et tonification. Le neuvième et dernier, remodelage du corps. Chaque programme dure 10 minutes, puis Total Abs s'éteindra automatiquement. Quatrième étape, sélectionnez le niveau d'intensité. Appuyez sur le bouton plus ou moins autant de fois que vous le souhaitez pour sélectionner le niveau d'intensité de 1 à 10. Une fois que vous avez sélectionné le niveau d'intensité, Total Abs débutera le programme automatiquement. Attention, si vous ne sentez pas vos abdos se contracter, augmentez le niveau progressivement jusqu'à l'intensité voulue ou vérifiez que les électrodes sont en contact avec votre peau. Vous pourrez augmenter l'intensité de chaque programme en cours de session. Cinquième étape, éteindre l'appareil. Total Abs s'éteindra automatiquement en fin de session de 10 minutes d'utilisation. Vous pouvez aussi l'éteindre manuellement en appuyant sur le bouton 0 pendant 2 secondes. Sixième étape, retirez Total Abs. Enlevez la ceinture abdominale. Si des électrodes sont restées collées sur votre peau, retirez-les par le coin de l'électrode. Puis, couvrez-les de leur film protecteur pour rallonger leur durée de vie. Les électrodes devraient être remplacées après environ 30 utilisations. Vous pouvez rallonger la durée de vie des électrodes en les nettoyant avec un chiffon humide. Utilisez la mini-ceinture de précision pour les bras et les jambes. Placez simplement une électrode sur la mini-ceinture. Connectez l'unité de commande sur les boutons pression. Enfin, ajustez la mini-ceinture sur votre bras ou votre jambe. Et sélectionnez le programme et l'intensité souhaitée, comme sur la ceinture abdominale. Bon entraînement avec Total Abs.